Comenzamos entonces. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al acto de entrega del título de doctor honoris causa a uno de los pensadores más destacados de la Francia contemporánea. El doctor Jean-Luc Nancy, entrega que se realiza en el marco del Congreso Internacional de Filosofía Pensar el Presente. Debido al actual contexto de pandemia y de distanciamiento social, el mismo está siendo transmitido vía streaming. La Universidad Nacional de Cuyo tiene consagrada una norma estatutaria que le permite conceder las más altas destacado por sus méritos excepcionales. En este contexto, celebra las realizaciones y los méritos de quienes sobresalen por su labor en, la ciencia y el arte. Hoy nuestra universidad, a pedido de la Facultad de Filosofía y Letras, quiere honrar con su máxima distinción el título de doctor honoris causa con mención especial al mérito académico científico al doctor Jean-Luc Nancy, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a esta casa de estudios en el campo de su especialidad. Agradecemos el acompañamiento de autoridades universitarias e invitados especiales y, por supuesto, a los participantes de este congreso que comparten con nosotros este momento. Preside esta ceremonia en representación del rector, el ingeniero agrónomo Daniel Pisi, el señor vicerrector, doctor Jorge Barón, quien participa de manera virtual. Se encuentran ubicados en la mesa académica el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor Adolfo Marcueto, y la doctora del Instituto de Filosofía, Mirta Rodríguez de Grazona, y también, que también es presidenta del Consejo Internacional de Filosofía. Y por supuesto, desde esta sala saludamos con mucha alegría a nuestro homenajeado, el doctor Jean-Luc Nancy, y para él todo nuestro respeto, nuestra alegría y nuestro aplauso. A continuación, entonces, escucharemos las estrofas del himno nacional argentino. L'hymne national, on va le jouer. Ah, d'accord.
Acto seguido, escucharemos la Marsellesa, himno nacional de la República Francesa. Pueden tomar sus lugares. Le damos entonces la palabra en primer lugar a la doctora Mirta Rodríguez de Grazona, quien reseñará las razones que motivaron la iniciativa de esta distinción. De la Universidad Nacional de Cuyo al doctor Jean Lugnen. Según el dictamen elevado por la comisión disciplinar, conformada por la licenciada Viviana Martínez, el doctor Juan Manuel Torres, el doctor Rubén Peretó y el doctor Ricardo Crespo. El doctor Jean Lugnen, nacido en Burdeos en 1940, es uno de los pensadores más destacados de la Francia contemporánea. En los inicios de su desempeño científico como estudiante de la Universidad de París y de la Universidad de Toulouse, realizó su tesis de graduación bajo la supervisión de Paul Ricoeur. Actualmente es profesor emérito de filosofía en las universidades, en la Universidad de Marbloch de Estrasburgo y colaborador en las universidades de Berkeley y de Berlín. Entre sus actividades más notorias se cuenta la fundación del Centro de Investigaciones Filosóficas sobre Política en 1980, una entidad ampliamente reconocida por la organización de influyentes coloquios en el Centro Cultural Internacional Cerise Lassalle. A esta actividad se suma su extensa producción bibliográfica, que constituye una referencia de notable importancia en la historia reciente de la vida intelectual francesa. Queremos acentuar que Jean-Luc Nancy es una de las figuras más sólidas del panorama filosófico actual. El número de sus publicaciones asciende a más de 50 volúmenes, en los que este filósofo desarrolla una ontología propia sobre un amplio campo de intereses. Entre estos se incluyen temas de antropología, religión, política, arte, tratados con originalidad y una lógica rigurosa. Además, Nancy ha producido novedosas interpretaciones de pensadores que van desde Hegel, Nietzsche o Heidegger a sus casi contemporáneos como Derrida o Blanchot. Dentro de su producción se destacan dos textos cuya relevancia es mundialmente reconocida: La comunidad desobrada y La compartición. Ambos constituyen fuente de
de discusión ineludible para el ámbito académico especializado en filosofía política y en las que se cuestiona el pasado, el presente y el futuro de las sociedades capitalistas occidentales. Reconocemos también los aportes tempranos de Nassi en el ámbito del arte, no solo a partir de publicaciones específicas, sino en la relación entre el arte y la filosofía desde los análisis de los vínculos entre el mundo sensorial y material, sobre todo en la época del romanticismo. El trabajo de Nassi relacionado con el arte ha sobrepasado además el análisis teórico, ha llegado al cine, donde su libro El intruso fue objeto de una producción filmográfica de Claire Denis. Los méritos de Nassi son destacados en todo el mundo por distintas publicaciones. La revista Anthropos le dedicó en el 2004 su número 2005 titulado Jean-Luc Nassi, el cuerpo como objeto de un nuevo pensamiento filosófico y político. El mismo, además de algunos textos breves del autor como su deconstrucción del cristianismo, contiene estudios de Cristina de Peretti, de Roberto Espósito, de Anthony Mora, de Juan Carlos Moro Romo, perdón, de Juan Carlos Moreno Romo, de Julián Santos Guerrero, de Manuel García Vázquez y Paco Vidarte. En 2014, Cristina Rodríguez Merciel publicó Nassitropías, topografías de una filosofía por venir en Jean-Luc Nassi, obra que cuenta con un prólogo del propio Nassi. El mismo Jacques Derrida le dedicó su escrito titulado El tocar, donde el filósofo de origen argelino despliega una ética a partir de la lógica del tacto y el pensamiento a tientas. Queremos subrayar también que el pensamiento de Nassi es objeto de estudio constante en artículos de reconocidas revistas internacionales, cursos y seminarios en nuestro país, en América y en Europa. La relevancia que Jean-Luc Nassi tiene en medios académicos y científicos de nuestro país, ya sea a través de artículos dedicados a su pensamiento, como en entrevistas, cursos de grado y posgrado, y en proyectos de investigación científica, en ellos aparece abordada la problemática más actual y se accede a las ideas de Nassi que pueden ser no solo para el ámbito académico, sino para todo el público interesado. De esto dan cuenta, entre otras, las novelas escritas por el escritor argentino Rafael Pinedo. También resulta ineludible considerar la pluralidad de artículos, de entrevistas, aparecidas en revistas y en medios de comunicación argentinos de distinta orientación, que no han podido dejar de destacar la relevancia del pensamiento de Nassi para una comprensión cabal de nuestro tiempo. En el ámbito académico, especialistas argentinos han dedicado múltiples investigaciones, artículos y cursos de posgrados a su pensamiento, algunos de los cuales han contado con aportes del propio Nassi, tal como sucedió el año pasado en la presentación de su libro Un virus demasiado humano. Distintas universidades de nuestro país han dedicado cursos de posgrado a la obra de Nassi en los últimos años y han concretado numerosos artículos publicados en revistas reconocidas en el ámbito nacional. Conviene subrayar también la ingente labor que Nassi ha provocado en nuestra universidad, ya que está presente en investigaciones que abordan su pensamiento, e incluso de forma personal, manteniendo estrecha y fluida comunicación con alguno de sus miembros. En nuestra facultad, el pensamiento de Nassi es actualmente objeto de estudio en el marco del proyecto de investigación El cuerpo como ser de la existencia. Es la ontología del cuerpo de Jean-Luc Nassi. Este proyecto trabaja los diferentes textos de la obra de Jean-Luc Nassi, rastreando y analizando las originales reflexiones que se despliegan en clave ontológica respecto del concepto de cuerpo. A partir de esto, es bueno notar otra de las facetas que auspician este honoris causa, el doctor Jean-Luc Nassi, al saber su actividad docente, pues mantiene comunicación y colaboración permanente con miembros de nuestra casa de estudios. Considerando los méritos mencionados y además los avales explícitos de numerosos académicos reconocidos de nuestro país y de otros países de Latinoamérica,
la Universidad Nacional de Cuyo ha resuelto otorgarle la distinción de honoris causa al doctor Jean-Luc Nancy. Jean-Luc, le enviamos un caluroso saludo. Espero que sienta el afecto que desde este ámbito de la Facultad de Filosofía y Letra le brindamos. Nada más. Muchas gracias. A continuación, el decano de la facultad, Adolfo Marcueto, comparte unas palabras. Señor vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor Jorge Barón, autoridades universitarias que nos acompañan en la presencialidad y en la virtualidad, colegas, docentes, investigadores, tanto de la Universidad Nacional de Cuyo como representantes de todos los países que están participando en el Congreso de Filosofía en el marco en el cual tenemos este acto. Breves palabras para mencionar y distinguir un acto que nos honra. El doctorado honoris causa es la máxima distinción de la que una universidad puede otorgar a personalidades eminentes de nacionalidad argentina o extranjera, de conducta pública digna, en reconocimiento a su prestigio social y a su excelencia científica y académica. Básicamente que se hayan destacado por sus aportes valiosos y relevantes en el campo de las ciencias y o de las artes, la cultura, lo social, lo político. Y fundamentalmente que hayan contribuido de esta manera al desarrollo de la sociedad, mostrándose como ejemplo a las nuevas generaciones. El término honoris causa es una locución de raíz latina, cuyo significado es por causa de honor. Es una cualidad que conduce a uno al cumplimiento de sus deberes respecto a sus semejantes y a sí mismo. Es la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones de servicio, las cuales trascienden a las familias, a las personas y a las instituciones, y a las acciones mismas que se reconocen. Es decir, que trascienden el tiempo y el espacio. Es un alto honor para aquellas personas de testimonio social con reconocido e intachable acción. En la mayoría de los casos, esta locución es antedicha por el término maestro o doctor, y se otorga como un honor para reconocer el mérito y la valía de la persona. Quise hacer referencia a estas consideraciones desde la lógica del título que se le está otorgando a el doctor Jean-Luc Roland Louis André Nancy, porque para la Facultad de Filosofía y Letras, para el Instituto de Filosofía, promotor de este doctorado, y para el Departamento de Filosofía y toda su comunidad, es realmente un honor que usted haya aceptado que se nos permitiera distinguirle. Fundamentalmente porque aquellas personas que no solamente se enriquecen, conocen, investigan, descubren para sí, sino que fundamentalmente lo hacen para transmitir y transferir a la sociedad y sobre todo las generaciones jóvenes, es digno de llamarse maestro. Y en este caso, permítame que cabe el término para su persona, y sobre todo porque
entendemos que uno de los requisitos fundamentales para distinguir a un académico es fundamentalmente cuando se genera escuela, cuando se tienen discípulos. No solamente porque se trasciende en lo que se dice y lo que se escribe, sino que se trasciende a través de las personas que continúan su pensamiento y su legado. En la Facultad de Filosofía y Letras hay colegas que han tomado sus palabras, sus estudios, sus ideas, para seguir investigando, para seguir reconociendo y conociendo al mundo. Usted ha hecho escuela en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad Nacional de Cuyo, y por eso entendemos que realmente es digno de destacarse. Y no me cabe la menor duda de lo que estoy diciendo, porque evidentemente este Congreso de Filosofía tan exitoso que tenemos en estos 3 días, desde el martes hasta hoy, en nuestra facultad, usted ha sido motivo para muchos de los trabajos que aquí se realizaron y temas y líneas de investigación. Por ello, vaya nuestro humilde reconocimiento a su valía como académico, pero fundamentalmente como ser humano. Para la Facultad de Filosofía y Letras es realmente un honor que se incorpore a nuestro cuerpo docente como académico, y esperando que realmente nos siga enriqueciendo no solamente con su conocimiento y su formación, sino con el acompañamiento de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Acto seguido y a modo de entrega simbólica, les pedimos al señor decano y a la presidenta del Congreso mostrar a la Cámara el diploma y la medalla correspondiente, los cuales, junto con la resolución, se le harán llegar a la brevedad al doctor Nancy. También le pedimos que se acerquen a la pantalla para la foto, registro necesario y emotivo de este acto. Que tú vas a recibir. Ahora la pantalla. Doctor Nancy, esta es la medalla de la Universidad Nacional de Cuyo, con lo cual queremos identificar su pertenencia y esperemos que la tenga realmente en un lugar, no de su escritorio, sino de su corazón. Y este es el diploma que manifiesta la voluntad de la Universidad Nacional de Cuyo de integrarlo a usted como doctor honoris causa. Se lo haremos llegar a la brevedad para que usted lo tenga en su poder. Pregunta si puede responder. Sí, 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 sí. Adelante. Así. Je suis vraiment extrêmement touché par votre geste parce que il a lieu dans les circonstances où il a lieu, c'est-à-dire au milieu de la pandémie, avec la distance de Zoom, et en même temps, il manifeste la circulation de la pensée, des idées, qui est ce qui est le plus nécessaire, nous le savons, à l'humanité. Donc je suis vraiment très touché, bien sûr, d'abord d'être nommé docteur honoris causa
de votre université, Cuyos, et de l'être voilà, dans cette circonstance à la fois difficile et aussi un peu exaltante par son caractère difficile. Donc peut-être je vais laisser Erwan traduire. Sí, gracias. Él dice que está muy conmovido por este gesto de la Universidad Nacional de Cuyo de ofrecerle este reconocimiento, especialmente en estas circunstancias tan difíciles, frente a las que, sin embargo, se manifiesta esta necesidad de la circulación del pensamiento, que es una gran necesidad para la universidad, y subraya el hecho de que está especialmente conmovido por este gesto que se le concede, que realiza la universidad para con él en estas circunstancias. Muchas gracias. Seguidamente, entonces, escucharemos la palabra del vicerrector de esta casa de estudios, doctor Jorge Barrón. Buen día a todos, señora decano, señora presidenta del Congreso, estimado doctor Jean-Luc Nancy, ya doctor de la Universidad Nacional de Cuyo, lo cual es importante. Voy a ser muy breve porque creo que se han enumerado claramente los méritos del doctor Nancy para este reconocimiento por parte de la Universidad Nacional de Cuyo. Quiero decir que para nuestra universidad es un honor contar con el doctor Nancy como doctor de nuestra casa. Y sobre todo, como bien dijo él, en este momento tan difícil, donde las ideas, los pensamientos, las utopías, las propuestas, son tan necesarias para la humanidad. No solo para el ámbito académico, sino para toda la gente que estamos viviendo esta situación inesperada y en muchos sentidos trágica. Las ideas, los pensamientos son fundamentales. Y en este sentido destaco que el doctor honoris causa se otorga a las personas por su trayectoria de vida. No se otorga por un hecho puntual, por haber escrito un libro o por haber hecho una obra concreta, sino porque han dedicado su vida a la temática por la cual son distinguidos. Y porque esa dedicación, como bien dijo el decano, ha tenido frutos y sigue teniendo frutos en la formación de escuela, de discípulos y en la continuidad de esas líneas de pensamiento hoy y hacia el futuro. Felicitación, doctor Jean-Luc Nancy, avec à ton cœur, felicitación, that's it. Gracias. Muchas gracias. C'est tout ce que je peux vous dire en espagnol, mais j'ai un peu compris ce que vous avez dit. Je vous en remercie beaucoup. Merci. Agradecemos entonces. Je voudrais dire que je remercie aussi toutes les personnes qui ont préparé cet événement, tous ceux qui avaient signé une circulaire que j'ai reçue récemment, Christina Arantz, Pablo Martinheller, Viviana Martinez, Oscar Certilli, Claudia Zorrilla et Mirta Rodriguez. Et bien évidemment, vous, président et directeur de l'université. Bien, entonces, agradecemos profundamente las palabras del doctor Nancy, para quienes reiteramos y pedimos un fuerte y afectuoso aplauso. Gracias a todos los que participan de esta ocasión. Invitamos a continuación entonces a las autoridades de la mesa a ubicarse en el auditorio para escuchar la conferencia del doctor Nancy sobre qué significa el presente. Muchas gracias.
Et c'est ça. Si. D'accord. D'accord. Parce qu'il faut quand même que je justifie mon doctorat. C'est ça. Alors, je sais que le texte a été traduit par Viviana Martinez, que donc vous pouvez écouter en même temps, je pense, une version argentine. À présent, lorsque le passé emporte avec lui le fait même qu'il ait eu lieu, et lorsque l'avenir vaut avant tout comme ce qui vient suspendre l'avoir lieu, si on peut désigner ou discerner un tel lorsque, un laps, comme on dit en français, un rien de temps. Lorsque c'est ainsi, nous sommes ici même, au présent, comme l'est ici même, dans le texte, une virgule entre deux mots, voire l'espace entre deux signes. Cet espace vaut lui-même comme signe, ou bien il en est un signe de la possibilité des signes ou des traces, un signe ouvert, non signifiant, mais plutôt pré- ou post-signifiant. Le présent s'écarte de lui-même. Maintenant, en français, maintenant, c'est la tenue en main. C'est le temps de tenir et de mettre en jeu. Ce n'est pas une appropriation, c'est une simple tenue, une tenance, comme on dit, une lieutenance, tenente en espagnol, ou une maintenance et un spasme à la fois. Maintenant. Le présent tient lieu d'une présence qui n'a jamais lieu. La présence du stable, du substantiel. Le présent tient en état de marche la marche même, l'instable. Il n'est en aucun lieu ni en aucun temps. Il tremble, il se contracte, il se trouble, il sursaute. Toute l'histoire de la civilisation naguère occidentale s'est réglée sur une vacuité du présent, toujours entièrement vouée à évaluer son passé et à préparer son futur. La constance, la continuité, lui furent très tôt des marques de culture et de règne révolu. Elle est née, notre civilisation, elle est née dans et de l'effondrement de systèmes géopolitiques et techniques dont on signale l'imposante longévité en parlant d'empire. Le plus grand ayant été l'empire égyptien. Après les empires, les cités, après les empires, les cités représentent l'invention du temps présent, ici et maintenant, sans transmission, sans continuité. Il faut commencer. Il faut inventer, initier, frayer, fonder, créer. Ce que vous avez connu
aussi plus tard à votre tour en Amérique. La conscience du révolu et celle de l'inaugural sont inhérentes au temps occidental. La révolution et l'instauration y prennent des valeurs absolues, détachées de toutes les formes de retour, de rappel, de lignage ou de cycle. Les saisons de la terre et les âges de la vie voient leur régularité brouillée. Chaque temps se trouve d'abord exposé à lui-même, dans sa fragilité, dans sa fuite. 2. La présence se retire dès le principe d'un monde qui se voit comme une projection de silhouette dans une caverne, chez Platon, bien sûr. Elle se retire, la présence, pour s'échapper, se dilater et s'exalter jusqu'à excéder absolument le monde. Il n'y a qu'un présent et il est ailleurs. Le temps cesse d'accomplir ses cycles, il s'ouvre à son propre excès. Le temps devient, en somme, ce que nous appelons habituellement le temps, c'est-à-dire la fuite de soi-même. Plus exactement, un soi qui consiste à se fuir, ce qui donne tout justement la définition du soi, de l'être soi, être à soi, pour soi, par soi, en soi, tout ce que la philosophie a soigneusement dépiauté. Le temps lui-même forme le seul sujet digne de ce nom. Seul le temps se rapporte à soi. Il ne fait même que ça. Il est perpétuellement à soi, en manque de soi. Et cette constitution auto-soustractive, auto-addictive et auto-fantasmatique l'empêche d'être ce que précisément il prétend, il désire, il revendique, à savoir le présent. Car il se figure cette présence comme celle d'une substance que rien ne séparerait d'elle-même, ni de ses actes ou de ses opérations. C'est une telle substance que Spinoza nomme Dieu ou la nature, et dont il met tout son soin à distinguer chacun des modes que nous sommes et dont la vérité n'est justement pas d'être à soi, mais d'être à cette substance et à sa dynamique infinie. Toute la philosophie, à quelque égard, est spinozienne, en ce que toujours elle pense un dehors ou un excès de l'être en soi. Le temps ne peut donc qu'être l'élément de l'exister, mais à condition qu'il n'en représente pas d'un côté la perte toujours renouvelée, de l'autre l'avènement jamais réalisé. C'est pourtant entre la perte déplorée et l'avènement espéré que le sujet moderne, on pourrait dire le sujet, c'est-à-dire le moderne, donc le sujet dit moderne, c'est là qu'il en vient hors d'haleine à se considérer lui-même comme malade, dangereux ou simplement insane, s'étant épuisé dans le temps. Le moderne, c'est-à-dire ce qui relève du mode
le plus récent, contient par principe un privilège du récent, du nouveau, de l'inédit. Ce privilège suppose un temps fécond, orienté, productif, un temps dont le passé prépare et nourrit l'avenir. Le passé est le futur du latin « être », empruntent leur commune racine « fou » à une sémantique de la croissance. La croissance, nous ne savons que trop combien elle est devenue notre croix. Loin d'être l'activité d'un vivant qui va vers son âge adulte et qui connaît plus tard sa vieillesse, la croissance désigne pour notre civilisation l'accroissement interminable de la production en biens et en services, tel qu'il ne peut que suivre un cours ascendant. La production comme croissance, c'est-à-dire le dépassement de la simple reproduction, forme le cœur du temps moderne, tel qu'il s'est annoncé avec l'Occident romain, chrétien et bourgeois. La croissance ne connaît que l'avenir. On peut concéder un minimum de préservation du passé, devenu de l'acquis, et de restauration des forces, autant que possible renouvelables, mais il faut que ce soit au service d'une croissance, un grand organisme, toujours plus grand, plus gros, absorbant plus d'un univers destiné à cette absorption, comme à un avenir infini aux deux sens du mot, premièrement sans fin et deuxièmement étant à lui-même sa propre fin. Un pareil organisme doit être entièrement numérique. La maturation du présent a correspondu au flétrissement de l'avenir. Le chant des lendemains s'est assourdi, puis brouillé, enfin il s'est à peu près éteint. La différence entre un futur, projection et promesse, et un avenir imprévisible, imprévisible, voire inidentifiable, s'est imposé à la pensée de l'histoire. Et l'événement, alors, a fait irruption là où régnaient les processus, les calculs et même des lois. On reconnaît les mouvements, les flux et les surprises de ce chamboulement dans le sort combien contrasté qu'a connu l'idée du progrès. Cette idée a prospéré pendant 7 ou 8 siècles, non sans être régulièrement prise à partie, avant de s'étioler puis de s'éteindre en 1 siècle. Même le strict progrès technique aujourd'hui ne progresse plus qu'à la condition de s'interroger sur ses propres ressources. Quant au progrès du savoir, il avance par l'abandon continu de ses supposés objets, matière, vie, univers, réel, etc. Il n'y a plus quelque chose à connaître. La connaissance s'enveloppe elle-même et se métamorphose dans les choses qu'elle se donne, par exemple les trous noirs, l'inconscient, le génome, les algorithmes, etc.
S'il y a un progrès aujourd'hui, c'est seulement le progrès que représente pour tous ceux qui ne le partagent pas le mode de vie qu'on appelle occidental. La vie électrifiée, pétrolisée, hygiénisée, informatisée. Auto, smartphone et maison de retraite. Mais ceux qui le partagent, c'est-à-dire nous, nous, la plus grande partie au moins, des classes moyennes des pays développés, pour ceux qui le partagent et qui sont mécontents lorsque ce confort est atteint, cela, c'est-à-dire nous, nous savons plus ou moins confusément et de moins en moins, pourtant à vrai dire, que ça ne progresse plus ou que ça n'a jamais progressé, si ce terme implique une croissance vers un épanouissement et vers l'accomplissement d'une plénitude. Ni seconde nature, ni société juste, ni humanité fraternelle, et pas même de satisfaction physiologique, puisque nous fabriquons nos propres pathologies. Aussi avons-nous inventé depuis plusieurs décennies de nouvelles façons de célébrer le présent, ou bien ce qu'on a pu nommer le présentisme, résorption ou fermeture des passés et des avenirs, ou bien, pour rester dynamique tout en se méfiant de la trop périlleuse révolution, on s'est mis à privilégier les moments initiaux, la force et la grâce du soulèvement, de l'insurrection, voire de l'indignation, ou encore d'une révolte qui se subtilise juste avant de risquer d'être révolue. L'initial, l'inaugural, plus que le fondateur ou l'originel. C'est peut-être une autre version de l'exclamation que Faust adresse à l'instant. Arrête-toi, tu es si beau. Avec cette différence qu'il ne s'agit plus de retenir, mais de renoncer à tenir. Nul doute qu'il puisse y avoir là un sens vif de la présence comme rebelle au maintien et du maintenant comme un geste des mains qui n'agrippent pas, qui tiennent pour lâcher, pour lancer, pour mettre en jeu. Nul doute qu'il y ait un sens de la présence qui ne s'appartient pas, qui n'est ni en soi, ni pour soi, qui n'est en aucun sens de ce verbe être, mais qui s'éprouve et qui fait sens, si nous en sommes capables. 4. Tout à rebours, cependant, nous entretenons de façon maniaque une maintenance bien différente. Tout ce qui se passe est enregistré et restitué, projeté, diffusé, écrit, communiqué. On est saisi de vertige aujourd'hui lorsqu'on ressent en même temps devant l'une ou l'autre espèce de ce qu'on nomme « cinéma du réel », du moins en France, « cinéma du réel », docu-fiction, fiction bien documentée,
documents bien ficelés, films qui se filment, filmant ce qui se passe, télé-réalité. On est saisi de vertige devant cet intérêt pour l'information, cette émotion pour le drame, la curiosité pour les moyens de la réalisation. Comment, pour nous, qui réalise ce réel, et une autre émotion qui nous prend à sentir l'abîme entre nous, ici et maintenant, dans un fauteuil, et la vague, le sable, la plaie, ou le sourire, par quoi nous sommes empoignés et de quoi nous sommes écartés. Aujourd'hui, la pandémie, produite par notre croissance, par notre développement, accentue considérablement cet enregistrement fébrile de tout ce qui se passe et la tension vers la fin de cette situation, mais aussi vers une incertitude aggravée quant à la possibilité de se représenter ce qui peut et ce qui devrait suivre. Depuis longtemps déjà, notre monde s'est dénoncé comme monde spectaculaire, se donnant à voir comme un bien disponible, c'est-à-dire achetable, maniable, jetable, et non comme l'avoir lieu de nos existences. Nos existences qui ne sont nôtres que pour autant qu'en étant toujours autres, elles ne se laissent jamais ni identifier ni approprier. Cette dénonciation elle-même est devenue l'un des motifs récurrents de l'autocritique polymorphe dont sont remplis nos films, nos textes, nos discours. Ce qui est désormais plus spectaculaire que tout spectacle, c'est la profusion en toute forme de spectacle, cinéma, théâtre, vidéo, presse, blog, publication, c'est la profusion de l'imprécation et de la condamnation jointe à la, jointe à la rébellion, de l'insoumission, de l'insolence. Il est aujourd'hui extrêmement correct d'être incorrect. Voilà la vérité ultime, ultime et interminable de cette political correctness dont la vieille gauche s'est moquée avant de la digérer sans paraître s'en rendre compte. La pandémie a transformé le spectacle en cauchemar, ce qu'il était déjà pour tous ceux que font souffrir le progrès et la croissance, non seulement ceux qui sont déclassés, appauvris, désorientés, mais désormais ceux qui subissent l'attaque virale avec le moins de capacité à se protéger. Cela nourrit d'une part une demande de protection adressée aux États, mais d'autre part aussi une autocritique aggravée de notre société. Notre ardeur autocritique est telle qu'elle nous égare toujours plus. Ainsi, aujourd'hui, nous flétrissons un capitalisme financiarisé,
et mondialisé, comme s'il était une triste caricature du bon vieux capitalisme patrimonial, industriel et national, contre lequel, pourtant, nous nous battions encore il y a 40 ans. Ou même, presque encore il y a 20 ans. Pour ne rien dire, bien sûr, de nos parents, de nos grands et arrière-grands-parents. Ou bien, de façon naïve en apparence, nous cherchons à identifier quand et comment ça a mal tourné. Et l'exercice, bien sûr, est interminable. Nous allons parfois jusqu'à supposer de mauvais génies qui seraient venus perturber le cours tranquille de nos vies archaïques, un jour créant l'État par un goût soudain pour la domination, un autre jour créant le capital par un appétit inopiné pour la spéculation, un autre jour encore les colonies par un brusque désir d'exploitation. Nous sommes plus ou moins prêts à penser que nous procédons d'une série de caprices, de foucades, de coups de sang, de bile, ou de foi, ou de folie. C'est-à-dire, effectivement, notre histoire nous fait défaut. Son temps, le temps de notre histoire, s'avère avoir été ni progressif, ni régressif, ni continu, ni discontinu. Il ne fut ni de croissance, ni de déclin. Aucun modèle ne lui convient, et le passé se complexifie et se disperse à mesure que l'avenir s'opacifie et se volatilise. Nous ne savons plus nous raconter à nous-mêmes. Nous avions enregistré avec Lyotard la fin des grands récits. Mais en même temps, notre présent, de plus en plus massif, tentaculaire et absorbant, nous impose la question d'une espèce de contre-récit. Nous en sommes là. Nous avons brouillé le temps de fond en comble. Et cela s'est bel et bien passé. Cela a bel et bien déclenché la pandémie. Et avec la pandémie, une forme inédite de maladie et de médecine et de complexité technopolitique interminable. 5. Donc on pourrait dire, nous n'avons plus de temps présentable. Ni passé, ni avenir, ni présent. Cependant, les deux tiers de la population du monde se présentent à la porte d'une histoire qui porte toujours les noms, les signes et les pratiques de ce qui continue à être représenté comme l'accès à une humanité digne de ce nom. J'ajoute ici, j'ajoute quelque chose au texte. Avant-hier, il y a plusieurs milliers de gens qui ont passé au Maroc, la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Mais par milliers, et encouragés par les autorités marocaines. Comme si, évidemment, c'était beaucoup mieux de vivre en Espagne qu'au Maroc.
ce qui devient de moins en moins évident. Donc, il continue à y avoir une humanité qui se présente comme digne de ce nom, mais que veut dire ce nom, humanité? Il veut dire au moins, que nous sachions ou non que nous le savons. Il veut dire au moins, je suis là, me voici. Il y a quelqu'un, un, une, qui dit qu'il, elle, est là, ici et maintenant. Nul besoin qu'il s'agisse d'un soi, présent à soi et conscient de soi. Descartes lui-même, lorsqu'il profère son « je suis », ne fait que ça. Il le profère. Ce qui suit chez lui n'est plus du même registre. Qui dit je? Qui est en possibilité de dire je, ici et maintenant, se présente et fait un présent? Mais celui qui est en fuite, celui qui est dans la famine, celui qui est dans la souffrance extrême ne peut même plus dire « je ». Aucun besoin que « je suis là » corresponde à un concept d'être qui ne peut que dérober ou abîmer la présence en question. Nul besoin de se pourvoir en instance, en substance, ou en sujet inconditionnel d'un sens de l'homme. Il ne s'agit que d'un « je suis là, maintenant, chaque fois ». Comme l'écrit Novalis, je le cite, « nous cherchons partout l'inconditionné », en allemand « das Unbedingte », et ne trouveront jamais que des choses dignes. Le jeu sur les mots « unbedingt » et « ding » est complètement arbitraire en allemand, car le premier son « ding » et le second n'ont rien à voir. Mais la pointe touche juste. Il n'y a pas de résonance harmonieuse ni de résolution plénière à invoquer. Il y a chaque fois une chose, un son, une voix. La voix qui, en disant, dit son propre « ici, maintenant », lequel, pour finir, autant que pour commencer, n'est ni un principe, ni un sujet, ni un concept, ni même une humanité peut-être, mais chaque fois une façon unique, singulière, locale et survenue, selon laquelle ça se donne, ça se forme en l'ici et maintenant d'un corps parlant. Les dernières paroles de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, sont celles-ci. C'est Clarisse, dit-il. Et justement, elle était là. Je vous remercie. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias profundamente y afectuosamente sus palabras y gracias a todos por participar de este acto. Muy amables, buenas tardes. Merci beaucoup, doctor Nancy.